Février 2021, des kilomètres de caves sur le terrain du zoo. Et une question, sont-elles habitées? C'est une première enquête pour Gabriel, qui aujourd'hui s'intéresse aux chauves-souris. Ah ben voilà, donc là on a du guano. En hiver, les chauves-souris, elles ont le métabolisme ralenti. Elles vont pas déposer du guano au sol. Donc c'est du guano qui a été déposé l'été. Si on regarde au-dessus de nous, on n'a pas du tout d'individus au plafond. Mauvaise piste. L'affaire n'est donc pas simple. Et les chauves-souris aiment se cacher au fond des interstices. On en a un petit mur à moustache. Il est juste au-dessus de moi. Il dort, on va le laisser. On voit une chauve-souris, on s'en approche, on identifie, et puis après on s'en va. Elles sont en repos hivernal. Ça serait dommage de les réveiller alors que dehors, elles ne sont peut-être pas encore en capacité de se nourrir d'insectes. Pour un inventaire chauve-souris dans une cavité, on parle distinctement, on ne va pas chuchoter pour éviter de faire des ultrasons. On ne reste pas longtemps à côté des individus, on évite de les éclairer directement. Il faut mieux faire une photo rapide d'une grappe d'individus plutôt que de rester 10 minutes à essayer de les compter, savoir de quelle espèce il s'agit. Ah, il y en a encore un là. C'était un murin de Daubenton. Il a un petit museau rosé, sans poils, qui est apparent. Puis il a un ventre bien blanc. Grand murin. T'en as deux, l'un contre l'autre. Ils ont passé l'hiver ensemble. C'est une espèce qui fait une bonne dizaine de centimètres de hauteur. T'as des individus qui sont plutôt solitaires, d'autres qui aiment bien la compagnie. Donc ils vont passer l'hiver ensemble, et tu sais pas pourquoi. D'autres, de la même espèce, vont se retrouver complètement isolés dans une fissure. Ça, c'est comme ça. C'est comme chez nous, quoi. Il y en a... Ça se passe bien, et puis d'autres, on ne veut pas les voir, donc on se met tout seul dans son coin. Au fur et à mesure de son enquête, Gabriel relève de nombreux indices, témoins des activités passées. D'abord, cave d'extraction de tuffeau pour la construction de maisons et de châteaux, puis cave champignonnière. La cavité n'est plus exploitée depuis maintenant 20 ans. Les chauves-souris sont donc tranquilles. La nappe d'eau, elle est affleurante. On va avoir un air qui est chargé en humidité. Donc les chauves-souris, ça leur convient très bien. Elles ne vont pas se déshydrater en respirant dans la cave. Et les chauves-souris, dans cette cave, elles viennent chercher une température constante assez basse. Ça leur permet de ralentir leur métabolisme et ainsi de moins consommer d'énergie. Il y a l'obscurité, donc elles sont calmes, et une humidité ambiante importante. On a quand même plus de 200 individus et une dizaine d'espèces différentes qui passent l'hiver ici. En maintenant cette cave, on leur assure une pérennité, au moins pour le gîte d'hiver. Présence des chauves-souris confirmée. Enquête terminée. La prochaine fois, l'enquête de Gabriel portera sur la présence de rapaces nocturnes et d'amphibiens autour du parc.